agréable pour vous et puis pour qu'on entende bien la voix de Madame Balak. Merci à vous tous et à vous toutes d'être là ce soir. On est très heureux de recevoir Julia Balak pour son livre qui vient d'être publié aux éditions Grasset, Dieu était en vacances. Et merci aux éditions Grasset et à Léa d'avoir permis cette rencontre d'être possible. On sait que vous êtes du quartier, donc lorsqu'on avait vu le livre arriver, on avait à cœur de recevoir l'autrice de cet ouvrage et donc de rester dans le côté local, c'était important pour nous. Je vais poser quelques petites questions, vous répondez à votre aise et quand vous avez envie, votre petite fille fait la traduction et puis ensuite, si vous avez des questions à poser à l'autrice, elle s'y répondra, j'espère, du mieux qu'elle peut. Et ensuite, on a un petit buffet, une petite collation décontractée. Donc voilà, ça va pas durer très longtemps, mais vous connaissez tous sans doute Madame Balak, vous êtes beaucoup ici à la connaître, donc vous connaissez aussi son histoire, puisqu'elle en parle beaucoup et dans ce livre-là. Mais nous, on a été très émus et très touchés par le texte, donc on était vraiment très heureux de vous recevoir. Notre première question à Pierre et à moi, parce qu'on l'a lu tous les deux, c'est, entre guillemets, pourquoi avoir attendu aussi longtemps? Quelle est un peu l'origine du projet? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une rencontre avec Pauline Guénin. C'est votre petite fille qui vous a travaillé au corps pour dire il faut que ce soit publié. Racontez-nous un petit peu comment, aujourd'hui, ce livre est arrivé entre nos mains. Est-ce que tu te rappelles le début, comment ça s'est fait quand tu as reçu la lettre? Tu as reçu la lettre de Grasset chez toi? Tu as proposé de lire le livre? Je ne me rappelle plus du tout. Je fais un résumé juste pour elle. Elle a été contactée par donc Christophe Bataille de chez Grasset. Elle a été contactée par Christophe Bataille de chez Grasset, qui avait vu une émission, l'émission que tu as fait avec Guillaume. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Et alors eux, ils m'ont époustouflée, parce que c'est la première fois que je suis reçue dans une grande salle où il y avait un monde fou. Et puis on me posait des questions. Mais très bien que je pouvais répondre à ces questions. Et où j'étais étonnée, tout le monde était là. Tout le monde t'écoutait. J'avais l'impression que j'avais jamais rien raconté. Et cette émission-là, Christophe Bataille, donc éditeur chez Grasset, a vu l'émission et a écrit une lettre à mamie pour lui proposer d'écrire un livre chez Grasset. Et la petite blague, c'est que mamie pensait que c'était des concurrents qui voulaient faire un deuxième film sur elle et au début, elle voulait pas le faire. Et ensuite, on l'a convaincue. Et comment, est-ce que tu peux raconter comment ça s'est fait quand tu as écrit avec Pauline qui venait chez toi et qui te posait des questions et vous avez papoté? Elle me posait des questions très, très sensées et moi, j'ai pas l'habitude, on peut dire pas l'habitude, c'est la première fois que je subis un interview. Toute première fois. Et pourtant, l'histoire est triste hein, et tout ça. Et sans pleurer. Alors là je suis époustouflée. Et combien de sessions de travail vous avez fait environ, tu te rappelles? Non, la première question, non, beaucoup. Non, combien de fois vous vous êtes vu avec Pauline pour écrire? Tu te rappelles? Et combien de fois? 5-6 fois. Plus que 5-6 fois. Parce que je ne me rappelais pas. Voilà. Juste très rapidement, juste comment on... Pardon les filles. Hop. Comment on a justement ces souvenirs, vous le dites bien à un moment donné dans le texte, et c'est assez, assez fort, pendant cette expérience terrible, je fais attention parce qu'il y a des petites filles donc je n'ai pas envie de raconter trop d'horreur, mais pendant toute cette période terrible, vous dites bien que vous avez complètement coupé vos émotions, vous étiez anesthésié pour essayer de survivre au jour le jour, heure après heure, et comment les souvenirs reviennent, entre guillemets, comment on travaille la mémoire, est-ce que c'est justement Pauline qui allait chercher des souvenirs au plus profond de vous, que vous aviez peut-être oublié, ou au contraire, est-ce que c'est quelque chose qui est toujours là et qui demandait qu'une petite étincelle pour remonter à la surface? Le fait de travailler, d'en parler aussi avec en famille, etc. Comment ces souvenirs reviennent, entre guillemets, régulièrement? Les souvenirs que tu as de ton histoire, comment ça se fait que tu as une aussi bonne mémoire? Comment ils reviennent, les souvenirs? Ça, c'est une très très bonne question. J'étais arrêtée au mois de mai, en mois de mai 1943, j'étais avec mon père et mon père était sans arrêt me dire fais attention, écoute ce qu'on va te dire, tu fais ce qu'on te dit, tu écoutes et tout ça.
et papa, laisse-moi, j'ai quand même 17 ans, et là, laisse. Mais Julia, là, te révolte pas, je vais te dire, c'est pour ton bien. Il faut que tu m'aies. Écoute-moi, tu racontes les horreurs que tu vas voir, parce que personne n'aura vu ce que tu as vu, toi. Papa, quelles horreurs que je vois. Je te dis que tu verras les horreurs, je ne sais pas lesquelles, mais tu verras les horreurs. Il ne savait pas si bien dire ce mot. Et ce mot-là m'a poursuivi. Et puis je travaillais avec tout le monde. On s'est fait des copines, enfin, comme dans des moments pareils. Mais moi, je suis tombée malade. Mais est-ce que c'est... On repart juste un petit peu en arrière. Est-ce que c'est le fait que ton père t'ait dit que tu te rappelles aujourd'hui? J'en reviens à là. Ouais. J'en reviens là. Je suis tombée malade. Et dans ma maladie, j'étais obsédée en me disant tout le temps, vous ne mourrez pas. Hein, vous ne mourrez pas. Tu sais, je ne mourrai pas, je ne mourrai pas. Je n'arrête pas de dire ça. Et effectivement, j'ai survécu à cette saleté de maladie. Et là, c'est Pauline. Non, mais tu peux continuer. Non, viens, pardon. Pauline qui a coécrit le livre avec Julia. Non, on va recommencer avec vous. Non, on recommence pas, c'est vous l'auteur, c'est vous qui lancez. Tu es bien obligé de parler comme ça, d'ailleurs. Allez-y, continuez. Non, c'est tout à fait au début, là. Oui, tu racontes comment t'as pas oublié et que c'est grâce à ton père qui t'a dit ça qui a fait que tous les souvenirs sont restés. Mon père était en train de me dire, parce que je ne suis jamais autant engueulée avec mon père le temps que j'étais à Drancy. C'était peut-être le camp qui était prêt de parler. Et il était toujours, fais attention à ce qu'on te dit, écoute ce qu'on te dit. Enfin, papa, tu me laisses tranquille, tu me laisses. Et mon père, dans le fond, c'est lui qui avait raison. Il fallait que je me mette à sa place. Parce que ça, je ne pouvais pas me mettre à sa place. Parce que d'abord, j'étais une fille unique, gâtée par des parents aimants. Ils m'adoraient. Et comment vous dire, je crois que tout le monde disait que pour moi, rien ne valait mes parents. Voilà, bon, c'était comme ça. Et j'ai commencé, alors là, je lui fais, et si vous me posez des questions, parce que moi, vous parlez comme ça, de but en blanc, je ne sais pas. Bon, elle me fait, comment tu ne sais pas? Je dis, non, je ne sais pas. Parce que je n'ai jamais raconté ma déportation. Vous voulez dire quand je suis venue vous voir, hein, c'est ça, la première fois? Parce qu'effectivement, la première fois que j'ai eu rendez-vous avec Julia, elle m'attendait avec un café et des petits gâteaux. Moi aussi, j'avais apporté des petits gâteaux, donc on a mangé des petits gâteaux. Et elle m'a pas demandé pourquoi j'étais là. Elle m'a raconté sa déportation pendant 2 heures. Et ensuite, elle m'a dit, bon voilà, maintenant que c'est fait, parlons de quelque chose de plus agréable. Voilà, bon, en fait, on s'est revus de nombreuses fois. Et effectivement, il fallait poser des questions et avancer petit à petit. Oui, il fallait me poser de moi-même. Je ne peux pas. J'ai des souvenirs de mauvaises choses des camps, mais j'ai du mal des fois à les sortir. Parce que tout de suite je pleure, c'est mon grand défaut. Alors, je trouve que vous êtes très courageuse, hein, mais... Alors, là, je vais essayer de ne pas pleurer. Voilà. Parce que d'abord... Et est-ce que tu peux aussi leur raconter que quand tu es rentrée des camps, tu as tout de suite écrit la marche de la mort pour ne pas oublier? Peut-être que ça t'a aidé. J'étais obsédée. Je crois qu'on était tous obsédés par la marche de la mort. Il faut que je vous explique ce que c'est la marche de la mort. Alors, vous voyez un hiver très rude, hein, un moins 25. Vous n'êtes pas équipés, pas habillés, ni chaussures. On n'est pas équipé pour moins 25. On a marché, on a fait, je crois que c'est 80 km hein, à pied, hein, à moins 25. Pour vous dire qu'on était... des fois, on avait des crises de fou rire, c'était nerveux, mais c'était pour un peu distraire le milieu. Et des fois, on s'engueulait entre copines. Voilà. Et... Là,
la marche de la mort, donc vous avez fait en fait deux marches de la mort, parce que vous avez traversé toute la Pologne et toute l'Allemagne. Toute la Haute-Silésie à pied. Hein, à pied, non, et pas avec des chaussures comme on a maintenant. Hein. Avec des chaussures, je ne sais même pas comment j'ai pu les garder, ces chaussures-là. Parce que la neige... De toute façon, je déteste la neige, jusqu'à maintenant. Je ne me suis pas fait... Vous savez que j'étais en tout et pour tout depuis le retour. J'ai été trois fois au sport d'hiver. Je ne peux pas, je pleure. Quand je suis au sport d'hiver, je pleure. Je ne peux pas. Alors bon, les sports... Est-ce que vous voulez nous raconter quand vous avez réussi à vous évader, en fait, à la fin des marches de la mort? À la fin de la marche de la mort. On a marché depuis... le 18 janvier 1945 jusqu'à... Ben, je crois qu'on a marché pendant 3 mois. 3 mois, oui. Janvier, février, mars. 4 mois, voilà. Et les péripéties de cette marche de la mort, où on rigole, ou on pleure. Il n'y a pas d'autre solution, tellement qu'elles sont dures. Et... Il y a un moment où vous avez réussi à fausser compagnie à la colonne. Ah oui, oui. Vers la fin. Attends, c'était déjà vers la fin. Oui. C'était déjà au mois de mai. C'était avril-mai. Hein. Non, au mois de mai. Non, ça c'est rien, ça, encore. Il fallait encore toujours marcher. Tout ça. Et alors, c'était du coup de manger. Alors, ça, manger, c'était l'apothéose. Pour vous dire que j'ai bien mangé, ça. C'est pas l'appétit qui m'attirait. Qu'est-ce qu'il nous donnait, hein? Je me moque de moi, mais j'aurais été très contente d'avoir la même chose maintenant, à cette époque-là, parce que c'était tellement... Le pain était dur comme de la pierre. Il fallait s'asseoir dessus. Parce que, paraît-il, un corps chaud ramollit la farine de pain, paraît-il. J'ai pas réussi, mon pain. Non. J'ai pas réussi, moi. Enfin, bref, c'était très, très dur. Et puis, quand t'es rentré, dès que t'es arrivé dans ton appartement, t'as raconté, t'as écrit ça, pour pas oublier. Mais je... Oui. Quand je suis rentré dans mon appartement, oui. Entièrement d'accord, hein. Entièrement d'accord. Et je m'ennuyais tellement dans mon appartement. Il n'y avait rien. J'avais un pliant et une table pliante. C'est tout ce que j'avais. Hein. Et j'avais rien. Et ben, je me suis dit, il faut que je fasse autrement. Je me suis emprunté de l'argent. Et je me suis acheté un cahier, un crayon. Et non, à l'encre, j'ai écrit. À l'encre, ça je me rappelle. Et puis, il y avait un épicier, je demandais s'il ne peut pas donner deux cajots. Ouais. Hein. Alors, il m'a fait pour quoi faire? Pour faire une table et pour me faire une chaise. Il me regarde. Pourquoi vous n'avez pas de table à faire? Ah, je dis non, j'ai été spolié, j'ai rien. Au monde. Chez moi, c'est, j'ai rien du tout. Et comment dire? Et là, je me suis mise à écrire. Et j'ai écrit toute la route de la mort pendant... Ça a duré quand même assez quelques jours. Et je ne regrette pas jusqu'à maintenant de l'avoir fait. Parce que pour moi, c'est très important, la mémoire. La mémoire, des fois, elle me joue des tours. Et que je fais un petit coup d'œil, juste un petit coup d'œil, ça me rappelle où j'étais. Et bien, ma mémoire, elle m'a beaucoup aidée à pouvoir vous venir vous raconter ici. Voilà. Voilà. Merci. Excusez-moi, j'ai une autre question. C'est belle. J'ai juste encore une ou deux questions pour... Oui, c'est madame. C'est gentil, merci. Comment on travaille justement avec Pauline qui nous a rejoint, c'est ça qui m'intéressait aussi. C'est il y a des mots très forts que vous dites à un moment donné sur la peur, sur l'amour que vous avez pour vos parents aussi. Il y a cette phrase « Le poids de la peur que j'avais pour mes parents ne m'a quitté qu'à leur mort ». C'est une phrase absolument très forte et qui résume bien, entre guillemets, le sentiment qui...
Et je voulais savoir un peu comment Pauline aussi avait réussi à, entre guillemets, à mettre sur le papier ces mots-là et comment vous avez collaboré avec justement Madame Valac pour les porter le mieux possible. Comment on a travaillé ensemble ? On en a parlé un petit peu avant que vous arriviez. Très amicalement. Voilà. Très amicalement. On se comprenait. La première fois, d'ailleurs, la première chose que vous m'avez dite, c'est à quel point vous étiez proche de vos parents et à quel point vous les avez aimés. Ça c'est pour répondre à votre question. En fait, on s'est vu plein d'après-midi, ouais. et Julia, vous racontiez votre histoire dans le désordre, comme ça lui venait. Ah oui, je ne pouvais pas raconter dans l'ordre, c'est pas possible. Voilà. C'est pas possible. Dans le désordre, comme vous avez dit, dans le désordre. Et après, c'est elle qui a un sens de la formule incroyable. Donc, oui, c'est ça, moi, j'ai juste capté sa façon à elle de raconter ses expressions. Et cette formule-là, ce qui est si forte dans le texte. Mais ça, c'est elle. Mais je voulais juste qu'elle m'en parle, qu'elle nous dise un peu pourquoi. Parce que c'est pourquoi avoir autant peur pour ses parents. C'est une enfant qui a peur pour ses parents. C'est quand même un changement de. Quand vous. Ce que vous avez raconté de votre enfance, pendant les années 30. Quand vous étiez en fait une enfant d'immigrée, que c'est vous qui faisiez les traductions pour votre mère auprès de la police, etc. Et la peur que vous aviez pour vos parents dans la France en train de. C'est vrai que mes parents étaient d'origine polonaise. Ils parlaient une langue que les juifs de l'Europe centrale parlaient à l'époque, c'est ce qui s'appelle le yiddish. Et ils parlaient yiddish et pas français. Mon père disait le français parce que. Il adorait parler de politique et tout ça. Il achetait son Paris Soir et l'Intransigeant. Ça, je peux vous dire que son journal, il ne fallait pas le priver son journal. Bon, ben, lui, il s'est adapté son journal. Moi, j'ai réussi à lui faire essayer de dire quelques mots en français. Et puis j'ai réussi à les faire parler un peu correctement en français. C'était pas facile, mais c'était marrant. Voilà. Je peux vous dire, avec ma mère, j'ai pris des bosses de rigolade tellement c'était marrant. La façon quand je dis, maman, 8, le chiffre 8, elle ne pouvait pas dire 8, elle disait vite. Et je dis, maman, c'est pas schnelch, parce qu'en yiddish, vite, c'est dépêche-toi. Vite. Alors je fais, maman, c'est. Tu dis schnell, mais moi je ne te parle pas de ça, je te parle de chiffre 8. Oui, mais si, mais je te dis, vite. Et pourquoi vous aviez peur pour vos parents ? Pourquoi ? Parce que il y avait une politique française anti-juive des Français, et je les ai protégés de ça, de peur de, qu'on les massacre. Voilà, j'avais une peur. Vous savez, mon père m'a amené quand j'avais, je crois, 6 ans, il y avait, je crois, une révolte des brigades mobiles sur la place de la Concorde. Et mon père m'a emmené pour voir ça. Qu'est-ce qu'il a pris par ma mère ? Qu'est-ce que tu vas mêler de ta fille dans ces histoires-là ? C'est pas pour elle, elle a 6 ans, faut lui la paix. Je veux qu'elle sache tout. Mon père s'est mis en tête pour que je sache tout. Bon, ben, avec mon père, politiquement, j'étais au courant, mais il avait, dans le fond, il avait raison, parce que j'étais l'enfant gâté, alors il avait raison de me bousculer, voilà. C'est ça. Oui, c'est tu me retrouves. Je peux juste un petit peu pour le reprendre, dernière question. Oui, parce qu'il y a une chose sur le ton, on en parle, mais il y a de l'humour, on sent évidemment que ça déborde d'humour et de vous la vivre. On parlait de punchline, il y a vraiment c'est un terme un peu anglo-saxon, mais il y a vraiment des phrases qui claquent. Et je pense qu'il y a même un moment, on est au milieu de l'horreur des camps. Et à un moment donné, j'arrive quand même à rigoler parce que vous dites adieu vos vaches cochons, on est là. Bon, c'est vraiment une formule tout fait qui est absolument délicieuse et aussi drôle. Comment on arrive à garder, même dans l'enfer le plus noir, cet humour indissociable, comme vous dites, faut rigoler, sinon, en fait, entre guillemets, on est déjà condamné. L'humour était, entre guillemets, votre bouée.
comment vous avez réussi à garder de l'humour même au camp? Si on n'avait pas eu d'humour, c'était aller au suicide. Fallait choisir. Ou on avait un peu d'humour, ou aller au suicide. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de solutions au camp. C'était la mort ou la vie. Et comment vous dire? De toute façon, je suis tombée gravement malade au camp. Et ça a été pour moi terrible, mais je me suis mise en tête qu'ils ne m'auront pas. Et quand on me disait en allemand, faut que tu ailles au Revier, c'est-à-dire à l'hôpital. J'ai été, ils ne veulent pas de moi que je leur disais. Alors il me fait, tu racontes des histoires, je dis, venez avec moi. Et j'ai échappé à aller dans ce mouroir, parce que ce n'est pas un hôpital, c'était un mouroir. Et comment vous dire? Ça a été la période la plus noire de ma vie, ça. Avec la vie au camp, la vie à Paris, tout ce que vous voulez. C'était la plus noire de ma vie, parce que je ne savais pas comment j'allais m'en sortir. Et je pensais qu'il y a une chose, d'échapper. Dans l'Allemagne, dans la Pologne occupée par les Allemands, c'était vraiment une illusion. Et j'ai réussi à aller travailler chez les Allemands. Et encore, on ne voulait pas me prendre parce que j'étais maigre. J'étais squelettique, voilà. Et bon, je me suis retapée toute seule. Et j'ai travaillé pendant un an chez les Allemands. Pour vous dire qu'ils étaient tellement gentils. Si je pouvais tuer un, ce serait avec le plus grand plaisir. Je crois que si je tuais un Allemand, ce sera ma plus belle vengeance. Je sais qu'on n'a plus le droit de parler comme ça. Je sais. Je sais. On va pas t'arrêter. Mais c'est plus fort que moi. Moi, ça m'est égal de ça, qu'on n'a plus le droit ou pas le droit. Et tout. De toute façon, j'ai survécu tout ça, et bien je survivrai des moments que je dis contre eux. Ils ont voulu m'envoyer. Non, c'est mon fils qu'ils ont voulu m'envoyer en Allemagne pour des vacances. Ah oui. J'ai retrouvé le directeur d'école. J'ai dit, écoutez, je ne vous donne pas mon fils ne va pas en Allemagne. Je sais pourquoi. Je n'irai pas en Allemagne, c'est tout. Il n'y a pas de pourquoi. C'est le directeur d'école qui était en face là. Je lui fais, écoutez, soyez indulgents avec moi. Je suis nature. Quand je dis j'aime pas, c'est j'aime pas, et ben c'est, je veux pas que mon fils aille là-bas. Et puis après, c'est tout. Et bien il n'a pas été, je ne l'ai pas envoyé en Allemagne. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Oui. Oui, on va vous passer le micro. Attendez. Ou alors, on vous entend, je crois. Hein. Oui, vous voulez, je sais pas. Oui, je pense qu'on m'entend. Mais je ne sais pas si la dame m'entend peut-être. Je répéterai. Très bien, oui. J'ai pas encore lu le livre, donc je suis toute fraîche. Et je m'interroge sur le titre, en fait. Dans une vidéo que j'avais vue au mémorial de la Shoah, la dame disait qu'elle avait perdu la foi. Et j'aurais voulu savoir si elle l'avait vraiment perdue. Parce que avoir tant de confiance et tant de gaieté, ça me paraît de l'ordre du spirituel. Alors, le titre, en tout cas, c'est... Julien m'avait raconté qu'elle faisait des interventions dans les écoles et que les enfants demandaient toujours si elle croyait en Dieu et qu'elle leur répondait « Ouh là là, ça, je sais pas. En tout cas, s'il existe, il était en vacances. » Voilà. D'où le titre. Mais est-ce que vous avez perdu complètement la foi ou est-ce que vous avez toujours foi en Dieu? Oui. Moi, j'ai perdu la foi. J'avais une amie au camp. Elle était enceinte quand elle était arrivée au camp. Je raconte toujours cette histoire-là parce que elle représente ce que moi je ressens bien. Et moi j'allais travailler, elle allait travailler dans ce contexte, on la protégeait naturellement. Et enfin, bref, le moment est venu quand toutes les vieilles nous ont jetées à la porte en disant vous rentrez pas, vous allez entendre un nourrisson parler et vous nous. Faites attention avec les SS. Et le nourrisson, il est né. Et au même moment qu'il est né, il a crié.
Il a piaillé le bébé, juste un soldat allemand passe et il entend des cris du nourrisson. Il nous a tapé à coups de crosse ou ça pour rentrer pour chercher le nourrisson. On s'est battu avec lui et il a gagné parce qu'il avait une force colossale. Et il a pris le nourrisson, il l'a jeté en l'air et il a tiré au pigeon. Et quand on me dit à moi, alors, mais Dieu était avec vous, vous étiez Dieu. Dieu m'a tourné le dos. Parce que, voilà, il m'a tourné le dos parce que c'est pas possible qu'on puisse faire ça. Tu peux parler une minute, s'il vous plaît? Oui. Je voudrais prendre la parole. Oui, bien sûr. Une minute. Oui. Je suis heureuse de vous voir en vie. Parce qu'est-ce qu'elle dit? Je suis la personne qui vous a une fois secouru dans la rue. Vous vous êtes évanouie dans l'avenue de la République. Et c'est moi je suis désolée, vous avez votre place, vous êtes... Un jour vous êtes tombé dans la rue. Je suis la personne qui vous a secouru lorsqu'une fois vous vous êtes évanoui à Rue de la République. C'est, il faisait chaud. Et je vous ai vu dans le rétroviseur de ma voiture tomber. Un jour, tu es tombé dans les pommes à Rue de la République. Hein, t'as fait un malaise à Rue de la République en étant. Oui. Non, et ben, c'est la dame qui t'a aidé. C'est vous qui m'avez donné un verre d'eau? Oui. Et je vous ai monté dans ma voiture parce que vous avez perdu connaissance une seconde fois. Oui, et, vous, oui. Et je vous ai demandé, vous voulez qu'on appelle quelqu'un pour vous? Vous me disiez non, non, non. J'ai voulu qu'on appelle votre mari. Elle a dit non, 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 parce qu'il est malade, il est à l'hôpital. Alors j'ai dit, ah bon? Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Où est-ce que vous habitez? Vous voulez que je vous ramène chez vous? Vous m'avez dit, j'habite rue de Nemours. Je suis rentrée à la maison. Non, j'étais à la... On m'a emmenée à l'hôpital. Les pompiers sont arrivés. Et mes deux petites filles qui sont là, elles sont venues me chercher. Voilà. Et les pompiers croyaient que vous étiez ma mère. Alors je dis, non, c'est pas ma mère. Mm-hmm. Mais là où ça m'a un peu interpellée, c'est lorsque je vous ai aidé à vous relever, vous aviez un numéro sur le bras. Oui, et à ce moment-là, j'ai dit, la pauvre, cette femme, elle a un passé qui doit être terrible. Et donc, quand vous m'aviez donné votre adresse, je suis passée plusieurs fois sonner à votre interphone. Et une voisine à vous m'a dit, non, 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 en ce moment, elle n'est pas là. Donc après, moi, j'ai dit, cette femme, peut-être qu'elle est décédée à l'hôpital. Elle est là. C'est juste qu'elle est sourde, elle entend la porte. Lorsque dans une émission, j'ai vu qu'elle avait écrit ce livre, j'ai dit, c'est elle, c'est pas elle. Non, c'est elle. Et quand après, ma fille m'a acheté le livre, j'ai dit, oui, ça ne peut être qu'elle. Voilà. Et quand vous m'avez dit qu'elle signait son livre ici, vous êtes venue. Mais le livre, je l'ai déjà acheté, tout de suite. C'est une chose que je ne vous ai pas montrée quand je suis arrivée. J'ai eu... J'étais tatouée. Oui, bah oui. À 17 ans, avec un numéro. Mon numéro, il fallait savoir le dire en polonais et en allemand. Je le dis encore en polonais, je le dis en allemand, mais c'est tout. Mais c'est 46 645, c'est mon nom au camp. Voilà. Il y a d'autres questions? Oui. Tu lis ça? Je sais pas si c'est la peine, on s'entend. Bonjour, je suis Esther et je voulais savoir, vous avez parlé de Dieu et de votre non-croyance en Dieu, et du coup je voulais savoir votre rapport, pas à Dieu mais au judaïsme. Est-ce que pour vous ça reste important d'être fier d'être juif et de perpétuer ça? Est-ce que même si tu crois plus en Dieu, même si tu ne crois plus en Dieu, ouais. Mais est-ce que pour toi c'est toujours important d'être fier d'être juif et de perpétuer la tradition juive? Pour moi, ce qui est important, hein, que je dise la vérité. Que je dise mes convictions, mais il y a une chose que on me reproche je dirais rien, parce que chacun... Non, tu n'as pas compris. Ton rapport au judaïsme, les traditions, est-ce que tu continues à les perpétuer? Ben oui. Est-ce que tu es fier d'être juive? Si je fais pas ça, il n'y aura plus de juifs.
Bravo, je fais les traditions dernièrement. Donc, on a fêté Hanouka, et ben, on a fêté Hanouka, voilà. Et puis, et pourquoi je me préférais pour le plaisir de ceux qui sont anti-juifs. Ils savent pas qu'est-ce qu'ils perdent, alors. Bonsoir. J'avais une question par rapport à votre alors rapport avec l'Allemagne et le peuple allemand, parce que j'ai cru comprendre donc que vous ne vouliez pas envoyer votre fils en Allemagne. Non. Voilà. Maintenant, rétrospectivement, comment considérez-vous ? Est-ce que vous avez toujours du mal à... Voilà. J'ai été libéré en 1945. Je suis jamais retourné en Allemagne. Et vous me payerez un pont d'or. Je ne retourne pas en Allemagne. Moi, je suis allée une fois à Berlin, je donne pas un sou à vos Allemands. Parce que ma mère ne veut pas travailler en Allemagne. Il n'y a rien à faire. Parce que, abuser, comme ils ont abusé, des déportés, hein, c'est quelque chose de honteux. Et puis le monde entier, je ne veux pas dire qu'ils s'en foutent, mais ça les touche pas de près. De presse à tous les vrais juifs qui ont été arrêtés, tout ça, mais pas moralement, politiquement, tout ça, c'est du blablabla. Juste une question pour finir, parce que justement on parle de l'allemand, ça, j'imagine que vous connaissez, ça va pas être beaucoup mieux, mais les Français là-dedans, à un moment donné, il y a la question, vous voulez retourner en France ou vous voulez aller aux États-Unis, et elle veut retourner en France, alors c'est les mêmes Français qui l'ont livré, et c'est les policiers français qui l'ont emmené. Et du coup, sur les Français, en fait, les Français, parce que vous avez été arrêtés, vous et vos parents, vous avez été arrêtés en France par la police française, etc. Et du coup, votre sentiment par rapport à la France, est-ce que... Un rapport à la France, je veux dire qu'ils étaient les plus sociables, les Français, mais comment dirais-je ? Mais quand tu as eu le choix de retourner en France, tu as quand même voulu retourner en France alors que c'était là-bas que tu avais été arrêté, tout ça. J'avais à choisir, d'après les Américains, quand ils me demandaient où tu veux rentrer, où tu veux aller en Amérique, en France, dans un troisième pays, je n'en veux plus pas. Enfin bref, en plus. La mémoire, elle me joue des tours maintenant. Enfin bref, j'ai quand même laissé des tas d'affaires de mes parents en France. Je vais essayer de les récupérer et après je verrai. J'ai jamais quitté la France. Sincèrement, je suis une grande patriote française. J'adore mon pays, mais il y a un mais. C'est avec ce mail pour faire attention. Voilà, c'est bien dit. Ça arrive là. Voilà, sur cette belle fin. On peut s'arrêter sur cette belle fin. Ça, c'est la